Y et 20. Ouais. Nous pouvons alors. En ce moment, le jeu il me gueule dessus là. La vache. Un jour je marierai un ange. La vache, t'es le jeu et m'agresse et puis après j'ai droit juste à un petit message tout calme et tout. C'est violent, je m'y attendais pas. Tiens bon, on ne perd pas connaissance. Hé, hey, Osley! Ce gamin est mort, lui aussi? Non, c'est impossible. Super, tu es vivant. On dirait que le choc t'a assommé. Allez, debout. Tu dois te demander où tu es, pas vrai? Quel drôle de titre. Enfin, bon, ça me rassure. Écoute-moi attentivement. Les humains ont commencé à attaquer. Les autres squelettes les affrontent. Appuie sur la flèche de droite pour poursuivre les humains. Ne t'en fais pas pour moi, je dois juste trouver une jambe pour me remettre sur pied. Allez, c'est parti! Appuie sur B pour accélérer, le temps presse, n'oublie pas que tu peux aussi l'utiliser pour esquiver les attaques. Ouais, là... Alors, il y a quand même tous les X temps le B. Oh, Osley, par ici! Tu vas bien? Je ne peux pas bouger. Appuie sur A pour sauter, nanana, viens par là. J'arrive. Ils ont kidnappé le roi démon et ses officiers. Qui aurait cru que les humains allaient attaquer? Le dernier étage. Les autres squelettes et moi allons les poursuivre. Je suis à court de mana. Tu devrais aller sauver le roi démon et les autres. Prends ça. Ok. C'est l'os de ma jambe. Appuie sur X pour attaquer. Il n'y a pas beaucoup de... de sauver le roi démon et les officiers. Appuie sera pour descendre sur les humains. Bon, semblerait que c'est le début. Sauve la sorcière! Comment ça sauve la sorcière? Quel soulagement! Quel, tu as survécu à l'attaque! Cette cage a scellé mon mana. Les mages de Carléon doivent être particulièrement puissants. Les gardes squelettes viennent de passer. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter pour moi et d'aller sauver sa majesté. Cependant, quelques-uns d'entre eux ont insisté pour me sauver et ils en ont payé le prix. Je ne pense pas que les gardes squelettes soient capables de sauver le roi démon. Ouais. Je t'en prie, va les aider. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Le petit... dans mes oreilles, là. C'est toi le nouveau capitaine de la gare, que se passe-t-il au juste? Oh, chère sorcière, tu t'en es sortie. Je vois, Osley, tu l'as sauvé, c'est ça? Cela devait être ton premier affrontement avec les humains, tu t'en es bien sortie. Mes excuses, on dirait que la gare tout entière a été vaincue. Mais comment ont-ils... Je veux dire, tu es le plus puissant squelette. Qui a fait ça? Miaou, qui? Oh, je vais pas faire un miaou... Ce n'était pas un humain, mais un ogre. Un ogre? Qu'est-ce qu'un ogre viendrait faire ici? C'était étrange. Une pierre noire était logée dans son corps.
et elle semblait le rendre furieux. On aurait dit qu'il ne pouvait pas nous entendre. Et son pouvoir, il était incomparable à celui des autres hommes. Je n'avais jamais rien vu de tel. Une pierre noire. Osley, je suis furieux, mais je ne peux plus avancer. Prends ma tête, je vais l'infuser avec tout le mana qu'il me reste. Élimine-les et sauve notre peuple. Ça me tue. Je vais leur démonter la face. Le petit squelette là, il est trop mignon. Je kiffe. L'ogre qui se trouve devant le château serait celui dont parlait le capitaine de la garde, Miaou. Et toi? Ah, je prends cher. T'es mort. Enlève cette pierre. Voilà. C'était l'ogre dont parlait le capitaine de la garde. Réveille-toi, tu as l'air d'aller mieux. Alors, continuons notre discussion au château. Miaou. Mais il est mort de rire, donc tout va bien. Ah ! Non, c'est quoi ce truc ? Oh, Niro ! Quel imbécile, vaincu par un simple squelette. Ces satanés démons. Mais on a libéré l'ogre, il l'a tabassé. C'est dégueulasse. C'était une nuit où la lune était très brillante. Sonia는 계속해서 달렸어요. 그 뒤를 검은 형체가 쫓았죠. 아픈 다리로 열심히 도망쳐봤지만 추격자는 결국 Sonia를 따라잡았어요. Que possible avec ses jambes douloureuses, mais il a fini par se faire attraper. 결국 지쳐 쓰러졌고 le garçon épuisé s'est affalé sur le sol. 그림자가 드리워졌어요. Et une ombre s'est profilée au-dessus de lui. Et puis et moi le petit garçon? 저는 그 소년의 마지막을 지켜보려 했어요. J'ai voulu être le témoin des derniers instants du petit garçon, le pauvre. Est-ce que c'est moi le petit garçon, devenu un squelette? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ou c'est le roi démon? Trop de questions dès le début. Les démons qui tirent les... Oh, pas le temps de lire, hein. Skull, tu es réveillé. Écoute-moi attentivement. Le château du roi démon fait face à une crise sans précédent. Le traité de paix a été signé il y a peu de temps, mais personne n'a réussi à arrêter cette embuscade. J'aimerais pouvoir lancer une météorite géante sur Carléon, mais... Guérir les blessés à la suite de l'attaque du premier héros me prend déjà toute mon énergie. Je n'ai pas d'autre choix que de te demander de sauver le roi démon. Je n'arrive pas à croire, je dois confier une mission si importante à un petit garde-squelette. Mais je compte sur toi pour sauver le roi démon et nos alliés. Tiens, prends ça. Dans le corps. C'est un parchemin contenant un sort dimensionnel. Il t'aidera à stocker les objets que tu trouveras durant ton voyage. Appuie sur Select pour consulter les objets en ta possession. Maintenant pars, Skull, et prends soin de toi. Select. Crâne, quintessence, objet, le plus jeune squelette de la garde ISO du château du roi démon. On le surnomme Osley en raison de son petit gabarit. Ben oui, mais c'est normal. Attends, j'ai le lancer de crâne. Il est où? Il est là. Et puis je me TP à mon crâne. Ok. Donc je peux me sauver la vie.
J'ai le droit de me sauver la vie, c'est déjà bien. Maintenant, on va sûrement pas faire des runs hyper longues au début. Ok. Taïo! Oh la vache. Oh, il y avait un truc à gauche. J'aurais dû me coller au mur. Oh, Osley, où vas-tu? Tu comptes te rendre dans la forêt? Tu devrais éviter d'y aller pour l'instant. Regarde ce que la forêt m'a fait. Les Ents se comportent bizarrement et la nature est devenue agressive. Enfin, les Ents ne sont pas vraiment de nature hostile, mais ils ont l'air plutôt violents. En jugé par la manière dont ils me regardaient, je suis certain que les humains leur ont fait quelque chose. Depuis ce jour, de nombreux humains sont apparus dans la forêt. Tu devrais y réfléchir à deux fois avant d'y entrer. Enfin, si tu as une bonne raison d'aller là-bas, sois prudent. Encore. Y a des piou-piou. C'est quoi la différence? J'ai pas d'explication, je sais pas dans lequel je dois rentrer, donc je vais aller dans le truc que je connais. Aïe! Je peux pas la taper, il y a que elle qui me tape, ok. Ah! Encore en vie. Aïe. Boum. Vas-y, va perdre ta vie qui te reste. Tobé. On va la perdre vite la première game, je crois. Allez. Ah! Un petit peu perdu là. Ouais. Je peux pas aller là.
suis moulu. C'était prévu, hein, par contre, là, j'avais dit que j'allais prendre cher. Ben, ça fait bobo. L'ogre contrôlé par une pierre noire nous a attaqué. Tu dois déjà le savoir, mais ce n'était pas une pierre ordinaire, Skull. Ceux qui connaissent le pouvoir de ces pierres les appellent le quartz noir. Ce quartz noir contient une puissance inimaginable. On dirait que Carleon l'utilise à des fins militaires. Lorsqu'il le maîtrisera, il représentera un danger non seulement pour le château du roi des monts, mais aussi pour le continent d'Harmonia. Heureusement, les mages de Carleon ne sont pas encore capables d'exploiter son plein potentiel. Mais le temps presse. Récupère autant de quartz noir que possible. Ils ne doivent jamais mettre la main sur sa puissance. Cependant, je sais comment l'utiliser. Je vais t'aider à maîtriser ce pouvoir. Skull, le parchemin magique te montrera la voie. Ainsi, tu pourras devenir plus fort. Ok, quel parchemin magique ? Je veux tomber au bord, j'avais vu. Mais il y avait quelqu'un là, pourquoi je peux pas m'arrêter près de la personne ? C'est triste. Ça change quelque chose si je lui reparle ? Non. Ok. Oh, ça reste longtemps les petites salles là. Alors, inspecter. Voile de prêtresse. Lance au hasard un buff de 10 secondes toutes les 30 secondes. Augmente de 40% l'attaque physique et magique. Diminue de 50% les dégâts subis. Augmente la vitesse d'attaque de 65% et la vitesse de déplacement de 45%. Ok. Comment je fais ramasser? Il me met que supprimer. C'est la même touche pour les deux, si je fais Y, ok, Y je ramasse, et Y longtemps je supprime, ok. Pourquoi avoir fait ça? Libérer. Et pourquoi m'avoir fait sortir? J'aimerais bien être à l'étroit. J'aimais bien être à l'étroit, soupir. Est-ce que je dois retourner au temple? Puisque tu es là, je peux aussi bien te bénir. Tu as de l'argent? Je n'en ai pas besoin. C'est juste que... il faut de l'or pour recevoir la bénédiction du Seigneur Démon. Il suffit de 110 pièces d'or. Bah non, j'ai 43 pièces d'or. Ça pue à mort, hein.
99. Anna. Parlez. Oui. Ok, ouais, du coup, en gros, j'abandonne ce que j'avais déjà pris. Allez, c'est pas grave. On va voir. Ah non, je garde ma cape machin, là. Ok. Ouh. Alors on avance cette fois-ci quand même, on meurt pas. Alors recrute Corleone, maintenir la touche d'attaque active la concentration qui améliore l'attaque quand elle s'achève. Quoi ça? Salut, salut Tom, comment tu vas? Oh, il y a un chat vert. Oh, un petit squelette, comment es-tu entré? Il arrive que des gens arrivent ici par hasard. Mais un squelette? En tout cas, bienvenue. C'est ta première visite ici, c'est ça? C'est un sous-espace du monde des démons que mes ancêtres ont créé il y a longtemps. Pour l'instant, l'endroit sert d'abri contre l'invasion de Corleone. Tu cherches le roi démon. Peut-être devrais-tu parler aux autres experts de l'abri. Bonne chance. Je vais aller manger du poisson. Chalut. Elle me fait marrer. Mort de rire. Bon, écoute, ça va. Je ne savais pas quoi faire ce matin. Je sais que plus tard dans la journée, je vais faire. Enfin, dans la matinée, je vais faire du Rocket. Et là, j'avais envie de démarrer sur un jeu calmement, et du coup, ben, il y a Skull qui est disponible dans le Game Pass. Petit roguelike. Brochette de mauvaise herbe. Est-ce qu'on donne une immunité aux dégâts des pièges jusqu'à ce que trois cartes aient été terminées? Ok. Ghoul. En utilisant flèche du haut plus X, lancer un crochet pour infliger, il peut récupérer un morceau de chair aléatoire des futurs. Putain, non, ça ira. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Ah bah écoute, bon courage à toi pour les cours et c'est vraiment gentil de passer avant. Ça fait plaisir. J'espère du coup que ta journée de cours passera bien. Je n'ai pas de quintessence de squelette. Dis, tu serais d'accord pour te sacrifier pour une bonne cause? Hein? Mon âge? Ça fait un moment que je n'ai pas compté. En y réfléchissant, c'est vrai que je suis vieux. Il faut que je prenne ma retraite bientôt, mais mon fils n'a pas l'intention de prendre la relève. Mon petit-fils est trop petit et il n'est pas capable de manipuler les quintessences. Je devrais envoyer ça à mon mentor pour qu'il me dise que je suis le maître des quintessences. Ok, l'autre, il veut juste se faire mousser. Yes, à plus, des bisous. Parlez. Enchanté de faire ta connaissance, jeune squelette. À écouter ce squelette sans tête, je me demande combien de temps cela va encore durer. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Ça ressemble à du charabia. Ça ne ressemble à rien du tout. Mais il est quand même amusant. Je ne déteste pas. Je me demande parfois à quoi il ressemblait de son vivant. Haha. Ok, quel squelette? Machin là? Ah, je peux lui parler. Salut l'ami, peux-tu m'entendre? Tu vois, au cours de ma vie, j'ai admiré trois squelettes. Le premier, c'est celui du capitaine de la garde royale au château du roi démon. J'ai été captivé par son sérieux et sa maîtrise de l'épée. Et puis, la forme de sa tête est vraiment étonnante. Le deuxième, c'était un observateur.
Je crois que c'est ce qu'il disait. Il surveillait ou quelque chose comme ça. Bref, il me parlait et puis j'ai compris qu'il dormait en même temps. Il avait même une couverture. C'est pas cool ça? Il dormait tout le temps, tout en parlant normalement. Faire ce que l'on aime tout en dormant, c'est génial. Cela fait un moment que je n'ai pas dormi. Mais au fait, ce n'est-il pas l'heure d'aller te coucher? Bien sûr que non. Comment ça, 23 de vie? Je vais redémarrer à 0 de vie parce que je suis pas encore morte. Ah, ça va pas traîner. Ah ouais, génial. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je devrais essayer ça aussi. 1, 2, 3, 4. Voilà le héros. Bien, bien, je termine comme ça. Et puis... Oui, c'est bien moi, je suis le héros. Désolé, pas de poignée de main. Un autographe, peut-être. Youpi. Même le premier héros serait impressionné. J'en ai assez d'être une marionnette. Qui es-tu? Qu'est-ce que fait un squelette ici? Bien. J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Sois reconnaissant de figurer en première page des prochaines aventures héroïques. Ouais, j'ai aucune chance. Bah ouais, j'ai aucune chance. J'avais pas de vie, c'est dégueulasse. En plus, je lui fais zéro dégâts. Hein. Il m'a fait bobo. Par contre, voilà, c'est ça que je veux. Oh, ouh, ah, c'est mieux. J'avais l'impression de devenir sourde. Merde, merde, attendez, parlez. Le château du roi démon a une histoire plus longue qu'on pourrait le croire. Allez. Il y avait jadis quelqu'un qui faisait des recherches sur le quartz noir. Une personne comme il n'en existe pas une sur un million. Un mage de génie qui a accompli des exploits que nul autre n'aurait pu faire. Mais lorsque ses recherches ont commencé à franchir la ligne de ce qu'il jugeait acceptable, il a détruit ses recherches et a disparu. Plus personne ne l'a revu. Bah oui. Alors, ajoutez un trait. Comment ça, ajouter un trait? J'ai droit à... J'ai 32 quartz noirs. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là. Augmente l'attaque magique de 0. Donc, ça l'augmenterait à 6. Si je fais les os, augmente l'attaque physique de 4. Et l'esprit, augmente le taux de critique. On va prendre, augmente l'attaque physique. Ah. Ok. Et il est génial en fait. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Mouru. Je peux pas attaquer si je te tabasse. J'ai pris quand même déjà des dégâts, ça commence mal. Il y a quoi là-bas? Il y a rien. Ok.
Ok. J'ai buté tout le monde. Yeah, ouais. Mourir. Alors, une épée. Ben, bien sûr que je ramasse. J'ai l'épée là? Oui, c'est ça, j'ai l'épée. Ok, mais ah, c'est juste un bonus en fait, j'ai pas une épée équipée. Non mais oh. Oui. Beau. Beau beau beau. J'avais pas envie de retaper le tonneau, c'est bon, j'ai pris cher. Enfin, j'arrête pas de prendre cher tout court en fait. Ça fait un peu bobo. Ok, on est de retour ici. Crâne d'eau. Les dégâts d'attaque normales donnent des charges sous forme de brume. Lorsque les charges sont complètes, elles peuvent créer une vape qui entraîne les ennemis et inflige des dégâts magiques. Tacle. Les sprints sont considérés comme des attaques et ne peuvent pas être enchaînées. Alors ici, libérer génère un œil maléfique sur un ennemi étourdi pour lui infliger des dégâts magiques au fil du temps. Utilisez quinquintessence pour que l'œil maléfique cligne et inflige des dégâts magiques aux ennemis proches. Ok, ouais. Non, mais... On va voir ce que ça vaut. Faut bien tester tout. Et j'arrive pas à lui mettre de dégâts, pourquoi? Comment je fais pour la taper?
Elle est tout le temps en l'air. Je lui fais des dégâts? Bah ouais, je suis obligée de mourir, je lui fais pas mal. Pourquoi je lui faisais aucun dégât? Mon pouvoir à la con là qui faisait que dalle. Bon, 25, j'ai pas assez pour acheter quoi que ce soit. Dommage. Mais chaud. Il est cool, mais il est chaud le jeu. Mais là, c'est le shop en fait, ou je sais pas quoi. Pas trop envie de commencer par le shop. C'est con, ils sont stun. Allez vous prendre des dégâts là-dedans. Toi aussi. Voilà. Inspecter. Alors, pommade explosive. Lorsqu'elle est touchée, elle explose et inflige des dégâts physiques. Je le sens mal, mais on va ramasser, hein. Ah ouais, d'accord. Ah, casse-toi. Eh bien, descendre près de tes copains. Oh la vache, il m'a fait mal. Il m'a mis un sale coup. M'a fait très mal. Je récupère des PV. Il est pas mal ce build là, non? Je trouve. Qu'en pensez-vous, les amis? Il semble pas mal ce build là. Qu'est-ce que tu me proposes? La soupe bizarre encore. Y'a quoi là-haut? Y'a rien là-haut? Là, c'est ma tête. L'anneau du vent. Alors, l'épée de Carléon, ok. Et du coup, moteur à mana en panne. Lors d'un sprint, générer une masse magique. C'est... Mais je veux toujours rien. Si tu économisais comme il se doit, tu n'aurais pas de mal à t'offrir ces produits. J'ai la thune, j'ai pas envie. Allez, on va lui faire plaisir. Je vais prendre celui-là, acheter. Voilà. T'es content? Excellent choix. Ben ouais, je t'ai payé, t'es content. Non, mais oh. Voleur de thunes, quoi.
problème, c'est qu'elle a de la régène. Faut que je tape souvent. Je ne sens pas mauvais. Tu vas rien faire du tout parce que je vais te bolosser. Ah, elle m'a eu. Elle a tiré vite, dites donc. Oui, j'ose. Niquer ta race. Tout, 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 tout. C'est moi qui ai gagné. J'ai gagné. Bouclier squelette. Centaure, utilisez quinquintessence. Mais pourquoi deux fois? Pour que Centauros jette une lance qui inflige des dégâts physiques. Bon, non, on va reprendre l'épée là. Et on va essayer de trouver du soin. Bon, c'est pas pour maintenant, hein. Avec assez de fragments d'os, cela ne posera aucun problème. J'ai zéro fragment d'os, mais bon. Oui, c'est toi, le petit squelette dont elle parlait. Je t'attendais, j'ai promis de t'aider, mais ne me demande pas pourquoi. Sache seulement que je ne t'aide pas par pitié. Bon, voilà qui est fait. Tu tires ta puissance des têtes des autres. Mais les têtes que tu as obtenues sont vraiment pitoyables. Dans les mains d'un squelette aussi faible que toi, elles ne révéleront jamais leur plein potentiel. Considère-toi chanceux de m'avoir rencontré. Mes aptitudes correspondent parfaitement aux créatures comme toi. Apporte-moi des fragments d'os et je t'aiderai avec mes pouvoirs. Combiner les fragments d'os et la tête que tu m'as apportée révèle leur véritable pouvoir. Cependant, tu dois me promettre une chose. Dis à la sorcière que tu as reçu mon aide. Ne me demande pas pourquoi. Allez, va lui apporter les fragments d'os. Va lui apporter des fragments d'os, c'est à toi que je dois en apporter, non? Et il m'a mis un coup! Non mais mourrez tous hein. Je peux pas juste libérer, non, faut que je casse. Libérer. Grâce à vous, squelette, je suis enfin libre. Nous avons tenté de désorienter l'ennemi en les attaquant par derrière. Mais ils étaient trop nombreux. Nous aurions dû être plus prudents. Je tiens à vous remercier pour m'avoir sauvé. Avez-vous besoin de ces os? Vous êtes un squelette, après tout, je me suis dit que vous pourriez peut-être en faire quelque chose. Voici une partie des os que j'ai recueillis. Yeah! Des os! Merci madame! Je ne me ferai plus prendre. Oh, il y a des choses qui se cassent et qui donnent du pognon! Je savais pas! Le pognon! Faut en ramasser. Des dégâts nuls n'empêche, hein? Non? T'avais pris tellement cher? Comment? Tu es venu me sauver? J'ai chassé plus d'une centaine d'humains avant de me faire prendre. Et tout ce qu'ils en ont, trouvé à envoyer pour me sauver, c'est un mini-squelette. Tu plaisantes, j'espère. Va chercher le roi démon. Comment? Son château a été envahi et il a été capturé. Et la sorcière?
pu la sauver. Ah ah ah, comme si j'allais te croire. Les humains sont forts, leur héros est particulièrement puissant. Pour l'instant, je vais déjà aller voir le château du roi démon. Je pense pouvoir les arrêter avec les autres sénateurs. Quant à toi, je m'en fiche. Fais attention. Tu t'en fiches, mais fais attention. Faudrait savoir, mec. Hein. Loup-garou augmente la vitesse de déplacement et la vitesse de sprint. Ramassée. J'ai plus de vie, je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a, le chat ? Restaure 1% des PV, fixe tous les dégâts subis à un point jusqu'à ce qu'une carte... Mais non, mais c'est que dalle, c'est pas du soin, ça. Ah, y'a plus personne là-haut. Ah, j'ai pas la thune. Ah, il n'y avait plus personne, remonte! Oh. Quel con! J'avais oublié que c'était des pics. Ah, fils de pomme. Saloperie de mage! Où est le mage qui me bombarde? J'ai bien pris de la glace, j'ai pas rêvé. Bah si, j'ai rêvé. J'ai dû le buter que j'ai même pas fait attention. Celle-là, elle est forte. Oh oh. Ça pue, 28 de vie avec un truc pareil? Je vais prendre cher. J'ai repris 5 de vie. Ouais. Oh non. Un boss, déjà. Ah! Si je l'avais pas joué bourrin, c'était faisable. Si je l'avais pas joué à la bourrin, c'était faisable. C'est dommage. Ajouter un trait. On va la jouer comme ça pour le moment. Parlez. Cela n'a pas l'air terrible. C'est mieux. Oh ! Oh ! Merci ! Oh, c'est stylé ça. Allez.
Arrivé en bas, on va juste faire une micro-pause. Je vais me faire une cigarette. C'est un jeu qui a des temps de chargement hyper rapides. Il est vraiment très fluide et il est génial. J'aime vraiment bien. Un bon petit roguelike comme je les aime. Profiter pour boire un coup. Je pense qu'on va rester sur Skull encore une petite heure, tranquillou, minimum. Et puis on fera peut-être une pause en passant se détendre sur Roquette. Histoire de revenir aux habitudes des loulous. Je me suis mis la radio à côté, j'ai une de ces musiques bizarres qui passent là. Hop. Voilà, en attendant, il est trop gentil le petit homme. Il passe même avant ses cours pour faire coucou, parce qu'il sait qu'il pourra pas être présent. Titanic, sérieux? Et 8h30 du matin, je me tape Titanic comme musique. Il pousse un peu là, parce que niveau endormir les gens au réveil, c'est une belle chanson, hein, mais j'ai pas envie de somnoler dans 10 minutes. Bon, on va pouvoir reprendre. Je kiffe, je kiffe. J'ai pas encore tout compris au jeu. J'ai pas l'impression d'être hyper fluide, mais ça va. Ok. Ok, ouais, faut tout détruire. Ah ouais, j'ai oublié, il y a les pics au-dessus là. Hop, 2 secondes, je reviens. Alors mon ange. Ok, il est mouru. Laissez-moi tout casser. Il peut y avoir de l'or dans tout. Faut que j'arrête de sauter par contre parce que je vais mourir juste parce que je me prends des piques à la con. Pierre de haine augmente l'attaque magique pendant 3 secondes lorsqu'elle est touchée. Ramassée. Okay. Allez, zou. Bien, on a diminué le chargement, ramassé. Oh, c'est une blague! Ah! 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 Ah!
J'ai paniqué. J'ai paniqué. Oh bah là, nul à chier, hein. Il me redonne rien, je suppose. J'ai utilisé ces bijoux. C'est nul, mais je vais la ramasser parce que j'ai pas envie de partir sans rien. Oh la vache. Allez. Ah ouais. Bien de pas avoir la manette en bas. Pour l'instant, mon attaque est plus que minable. Hein. Hop. Ok. Meurs. Allez, qu'est-ce que tu nous offres? Augmente le taux de critique, ramassé. Pour l'instant, c'est pas top, hein. Ouais, quoique. Je commence à faire un petit peu plus mal, ça commence à être cool. C'est quand même pas mal de thunes en fait. Et ce qui me fait chier, c'est que j'ai perdu mes fragments d'os d'avant. C'est bien, c'est que toutes mes attaques les stun. Au revoir. Alors. Maintenir la touche d'attaque. Non, je veux pas. Fragment d'os. Ok. Qu'est-ce que tu me proposes? Restaure 35% des PV. Acheté. Qu'est-ce que tu vends, toi? Accélère, non, toi t'as plus rien là. Augmente les PV de 40. La vitesse d'attaque, et ça je connaissais déjà, donc on va prendre ça. Acheter. C'est plutôt pas mal.
Il bouge trop. Je vais mourir comme un caca, hein. Bon. Oh. Prends trop cher, hein. J'ai tout fait pour donner à fond, mais j'ai un peu trop bourré. J'ai trop bourré. Ok, ouais, faut que je lui parle à chaque fois. Petit voleur, 10% de chance de récupérer 2 pièces d'or en attaquant l'ennemi. Bon, on ramasse. Ça a l'air stylé. Ça m'a l'air pas trop mal. Aïe, l'enfoiré. Je tape très vite, ça c'est cool. Oh, fils de... Non. Découper. On découpe.
Ok, chaud. Je l'ai trouvé très stylé, mais j'ai pris très cher direct sur la gueule. Hein, il n'y a rien qui a passé. Oh, mort de rire, mais j'ai pas assez. Bouclier squelette. Non, 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 non. Bah oui, je vais ramasser. Je sais plus. On démarre avec ce qu'on nous donne et on verra à chaque fois. Comment je tape? Je peux taper avec cette merde? Ah ouais, d'accord, c'est nul à chier quoi. Oh, je vais vraiment me suicider comme ça. Un peu particulier, ça empêche pas de prendre des dégâts, mais bon, ça passe. Ah, les petits tout simples, ça passe. Ok, faut arriver à accumuler certains moves là. Complicado, hein. Qu'est-ce que tu...
Jamais tu lances ton attaque, toi, je te le jure. Du pognon. Eh ouais, très bon goût, je sais, je sais. Je vais encore mourir, mais bon. Il a chargé son attaque et c'est fini. C'est pas grave, on cumule, on cumule. Faut commencer à monter le reste aussi. Alors, échanger nos têtes, tu es drôle, et c'est celle-ci. Oh non! Non. Non, c'est mort, je reprends pas cette merde. Le bouclier, c'est pas top, hein. On va pas se mentir que là... J'avais de nouveau pas ma touche en bas. Non, laissez-moi casser. Inspecter. Alors, Predator, lorsque les ennemis sont occupés, augmente la vitesse de lancement de 10% pendant 5 secondes jusqu'au maximum. Ok, ramasser. Oh putain. Ok, ouais, d'accord, c'est particulier. On va laisser recharger au moins une des deux attaques. C'est particulier, hein. Oh, augmente la vitesse d'attaque, mais oui.
Zéro chance, mec. Je vous découpe. Bien sûr. Maintenant, il faudrait que je puisse me soigner. Ok. Ok, au moins on a pu se heal un peu. Ça a pris cher, hein? Je l'ai défoncé. J'ai pas trop envie de changer de tête. Du coup, j'ai pas repris le petit voleur. J'ai que 5 mois fragments d'os. Tu veux que je fasse quoi? Il a vraiment cru qu'il allait m'avoir. Il m'a fait mal, mais il va pas me tuer. Il a failli me buter. Ok, j'avais rien oublié, c'était bon. Ah non. Je passe tellement de temps à devoir me heal qu'après j'ai plus de thunes pour le reste.
Ok. J'avais pas réussi à tuer l'autre Toby. Bon, maintenant, quoi qu'il arrive, je vais payer cher, mais bon. Oh, il veut absolument que je joue avec son bouclier de ses morts, là. Depuis quand j'ai deux dashs? Depuis quand j'ai deux dashs sur le côté? Ok. Meurs. Non, là. On va là. Merde. Ok, allez, on fonce. J'arrive à le rattraper parce qu'il va courir au bout du monde pour rien, lui.
Oh, l'enfoiré, il a eu le temps. Il a eu le temps. Ok. Ça pue. Oh, l'enfoiré. Achève-le. Bah ouais. Il me faut un autre crâne, mais trop compliqué l'autre pour moi. Alors, ça sert à rien que je te cause. Ok. Toute critique, on avance. Bon, deux murs comme ça. Allez, on libère encore quelqu'un. Ça veut dire qu'on avance. Tant qu'on libère des gens, c'est qu'on avance. Où sont passés tous les autres? Qui es-tu? J'ai entendu des pas dans mon sommeil, mais je pensais que c'était un rêve. Si ce n'est pas un rêve, alors il me reste quelque chose à faire. Mais bon, je suis encore fatigué. Pourrais-tu me donner un peu de ta vitalité? Oui, aïe. Alors, je suis encore fatigué. Désolé, mais c'est la tête de mon compagnon gardien. Pourrais-tu trouver un bon endroit où l'enterrer? Je comptais le faire moi-même, mais j'ai trop sommeil. Ah, je peux juste la ramasser, je peux pas me la recycler malheureusement. Il m'a fait mal, hein.
Il m'a fait très mal à me piquer de la vie. Je prends cher. Allez, j'ai pas le choix, encore. Mais ça veut dire que j'ai plus beaucoup de thunes. Ah, la vitesse de concentration, vitesse d'attaque de déplacement. Les attaques donnent 10% de chance de brûler les ennemis. Mais oui. Ah, ok, c'est dangereux. C'est dangereux. Faut que je fasse gaffe parce que je pense que c'est un truc que je peux me prendre sur la gueule sans problème. Fils de... Fils de pomme, tiens, meurs. Non mais oh. Bon, ça a pas l'air de me taper au moins. Si ça me tabasse pas moi, c'est un bon plan. Ok, c'est le double saut qui fait ça. Ça va être la run pognon, je pense, là. Le petit voleur, ça a l'air stylé. Ok. Donc on en est déjà là. Ah. Je l'ai battu? Non, je l'ai pas battu! Il est en deuxième phase, c'est dégueulasse! Oh, il a deux vies! Non! Mais non! Comment ça, il a deux vies? Il m'a fait tellement mal! Bon, je voulais quand même vérifier. Ici, c'est fait. Là, il me demande 700. Là, il me demande 700. Là, il me demande 40. Donc, on va le faire. Maintenant, il faut que j'économise à mort. Me donne pas le crâne bouclier de tes morts. Mais il aura fallu qu'un instant pour tout donner. Oh, gargouille.
Un peu bizarre. Oh. Ok. Allez. Je suis tout le temps dans une sorte de vol semi-constant bizarre là. C'est particulier, j'aimerais bien changer. C'est pas trop mauvais, mais... Je vais mourir vite sur cette run malheureusement. Je sais même pas comment on fait pour survivre, hein, là, je comprends pas tout. Oui, une tête. Non, pas de tête, mais je prends. Plus de vie. Quoi qu'il arrive, je serai plus fort que les têtes que j'avais avant, mais je prends tellement cher que je suis pas sûre que... Ok, c'était pas mal, là j'ai bien dépensé. Bon, je peux vite mourir. Allez, achève-moi parce que je vais pas réussir. Voilà. C'était trop dur pour moi, là, ce perso-là. J'y arriverai pas. Allez, on va espérer avoir un bon démarrage. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait. On a découvert un truc de plus.
pas convaincu, je l'ai pas pris tout à l'heure. On va tester ça sur des ennemis directement quand même. Bon, déjà il cogne. Ouais, il colle des grosses tatanes. Ah oui, je l'ai tué. Vous essayez pas de me tuer, vous, peut-être? Allez. On libère. Mort mais vivant, le monde extérieur est décidément surprenant. Oui, merci pour ton aide. C'est sans doute le bon moment pour te récompenser, pas vrai? Je suis le porte-parole de la brume, où je règne en tant que divinité. Je partagerai la grâce du dieu de la brume. Augmente l'attaque magique. Ô grand dieu de la brume de la forêt profonde, je te prie de bénir ce squelette avec la grâce de la sagesse afin de pouvoir lancer de puissants sortilèges sur ses ennemis. Ça cogne, ça cogne. Ça me plaît. C'est plutôt pas mal. D'où tu me cognes? J'ai oublié d'avancer en même temps que frapper. Ok, allez. Oh, j'ai jamais eu autant de vie. Et du coup, on prend ce qu'on peut. Merde. Allez. Tu m'as pas donné de bonnes leçons, je t'ai bouffé. Alors.
A 20% de chance d'exploser à la dernière attaque de combo pour infliger des dégâts magiques et lancer son joker. L'activation de la compétence a 20% de chance d'échouer et 10% de chance de réussir parfaitement. En cas d'échec, la puissance de la compétence est réduite de moitié et récupère 50% du temps de rechargement. En cas de réussite, la puissance augmente fortement et récupère 100% du temps. J'ai rien compris. Yeti. Utiliser quincatessence pour les Yeti lance des boules de neige pour infliger des dégâts magiques et geler les ennemis. Oh, folie. Chaussures de fer de froid glacial. 20% de chance de congeler les ennemis sur lesquels on atterrit après avoir sauté au moins. Oh oui! Ramasser. J'arrête pas de sauter sur la gueule des ennemis. Elle est belle cette run, je trouve. Elle est pas trop mal, hein. Bon, on a toujours pas d'os, mais... Je me prends des dégâts nuls en fait. Il reste toujours un qui survit, hein. Il faut une source de soins, hein, c'est chaud. Ouais, ça, mais ça fait mal au portefeuille, hein. Après, je peux plus rien améliorer. Faut mourir. Merci. Alors. Là, je vais reprendre le petit voleur et je vais détruire celui-là. Mais comment tu veux faire 100 os en une seule game ? Libéré! Grâce à vous, squelette, je suis enfin libre. Nous avons tenté de désorienter l'ennemi en les attaquant par derrière. Encore? Et je libère tout le temps les mêmes personnes? Ok, on va tester. Bon, on va tester là. Ah ah ! Monsieur double vie, là. C'est déjà la merde.
Ah, il me touche à tous les coups, hein. J'ai pris trop cher. J'ai pris trop cher. Oh là là. C'est pas grave, c'était encore une belle run. Franchement, je me suis bien amusée sur celle-ci. Je me suis bien amusée sur celle-ci. Oh, du coup, je vais faire un petit changement de jeu, les amis. On aura fait 2 heures tranquillou sur Skull, ce qui est plutôt pas mal. Je vais faire une petite pause de 30 minutes et je relancerai mon stream et on partira sur Rocket. Du coup, les petits loulous, je vous dis un grand merci. On continuera Skull, évidemment. Et puis, ouais, on reprendra ça demain matin, tranquillou, même heure. Je vous fais plein de bisous. Bonne pause et puis à dans 30 minutes.